vivre. C'est le but de la vie. Il le fait. Alors, déjà, il faudrait que tu trouves un endroit où t'installer. Hein, ouais, je vais m'installer. Pour mettre ta maison. Et va pas trop loin, parce que jamais tu meurs. Tu vas chialer. Oh, tiens. Mince. Con. Je me suis perdu. Tu fais ta maison là où tu es. D'accord. Oh, tiens. Un coffre. Allez, vas-y, prends-le. Ça va t'aider. Non, je ne le veux pas. Non, Manitou m'emmerde. Non. Non, je ne veux pas. Dommage. Alors, que faire? Parce que Herobrine n'est pas ici. Mais Herobrine, bon, il arrive à la fin de la partie. Là, d'accord, il arrive à la fin de la partie. Donc, en fait, on le verra jamais. C'est parti. Nion, 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 nion. Wow, c'est parti. Alors, on y va. Je tape un mouton blanc. Un mouton blanc, tiens. Je suis... antisémite. On évite les private jokes pendant la vidéo. Les private jokes, c'est qui ça? Private joke, en fait, ce sont des blagues privées, tu vois, que les gens ne peuvent pas comprendre. Ah, d'accord, c'est un mot que t'as inventé en fait. Non, c'est courant dans les vidéos, les gens disent private joke. D'accord. Bah, sur YouTube, un peu, dans mes temps, t'en connais là. Attendez, il y a un zombie qui me suit. Je suis suivi par un zombie. Il n'y a pas de zombie, on est le jour. Oui, mais il y a un zombie. Non, c'est un mouton. Il y a un bruit de zombie. Mais non. Si, si. T'es sûr? Oui, oui, je suis certain. Ouais. Tu me fais peur. Manitou est en train Manitou va se pisser dessus. Il joue à Diablo 3, un jeu interdit au moins de 16 ans. Un jeu interdit au moins de 16 ans ou un truc comme ça. J'ai cru qu'il y a un jeu interdit au moins de 7 ans, c'est ça. Oh, une cave. Je ne suis pas claustrophobe. Claustrophobe. C'est super utile, là. Hein. Non. Ouais. Je viens de pisser dessus. Oh, je crois que c'est déjà fait. Private job. Joke. Je sais pas quoi. C'est encore ton truc débile là. Je tourne à 53 FPS. C'est vraiment un PC de merde ton truc. Écoute, il faut pas se fier au numéro rouge en haut à gauche. D'accord. En fait, c'est Fraps qui fait des blagues. Oui, c'est ça, exactement.